Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme, au vu et au su de ce que j'en ai reçu. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf. Mais ceux-là aussi doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam tels qu'il les voit. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, j'en rends grâce à Dieu. Dans ce merci, je vous inclus, bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci. Et cet « à Dieu » envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. Amen. Inch'Allah. Christian.
l'émergence de l'autre, la reconnaissance de l'autre, l'ajustement à l'autre sont devenus pour moi des hantises. Je me suis demandé pourquoi, durant toute mon enfance, étant chrétien, pas plus que les autres, fréquentant les églises comme les autres, entendant des discours sur l'amour du prochain, jamais je n'avais entendu dire que l'arabe était mon prochain. Je me suis dit, désormais, plus de murs, plus de frontières, plus de fractures. Il faut que l'autre existe, sans quoi nous nous exposons à la violence, à l'exclusion, au rejet. Ne pas reconnaître l'autre côté, passer sans voir, vivre dans des bulles, tout cela nous expose à des explosions de violence sans fin. J'ai dû en assumer les conséquences. Essayer de sortir de mes bulles coloniales, mais aussi culturelles et religieuses. Lutter contre tout ce qui emprisonne et crucifie. Ouvrir les fenêtres du cœur et de l'esprit. Abattre les murs qui séparent. Il ne s'agit pas d'écouter l'autre pour le convaincre. Le dialogue n'est pas la polémique. Il s'agit d'écouter l'autre pour le comprendre. Le dialogue n'est pas facile. Avant le temps du dialogue, il faut le temps de l'amitié. L'amitié permet la parole vraie, la parole qui écoute, la parole qui ne nie pas l'autre. Rien que pour un homme comme Mohammed, cela vaut la peine de rester dans ce pays, même au risque de sa vie.
Mohammed a pris l'habitude de venir s'entretenir régulièrement avec moi. Depuis qu'un jour, il m'a demandé, tout à fait à l'improviste, de lui apprendre à prier. C'est un voisin. Nous avons ainsi une longue histoire de partage. Souvent, il m'a fallu faire cours avec lui ou passer des week-ends sans le rencontrer quand les hôtes se faisaient trop nombreux et absorbants. Un jour, il trouva la formule pour me rappeler à l'ordre et solliciter un rendez-vous. Il disait « Il y a longtemps que nous n'avons pas creusé notre puits. » L'image du puits est restée. Nous l'employons quand nous éprouvons le besoin d'échanger en profondeur. Une fois, par mot de plaisanterie, je lui posais la question « Et au fond de notre puits, qu'est-ce que nous allons trouver ? De l'eau musulmane ou de l'eau chrétienne ?» Il m'a regardé, mi-rieur, mi-chagriné. Tout de même, il y a si longtemps que nous marchons ensemble, et tu me poses encore cette question. Tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu'on trouve, c'est l'eau de Dieu. »